بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rapporté par le sahabi Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma garçon de Omar ibn al-Khattab radiyallahu an li dire anna رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده. لجيه que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم لي pas tipe à dormir excepté qu'il se siwak tikotli. Ensuite qu'il dit فإذا استيقظ, lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم لي tipe réveillé depuis ce sommeil بدأ بالسواك. L'étipé commence avec ce siwak. Quand Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, y a dormi le soir, et quand se sommeil in kassé de la nuit, première petite chose avec quoi il commence, c'est pour nettoyer sur la bouche. D'après notre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit nous, s'il n'y a pas une difficulté, le soumma, l'étipé haut de nous pour servir siwak. Le chaque oiseau qui nous fait. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit s'il n'y a pas une difficulté, le mot omat, motipu o de nzot pour se servir siwak pour chaque salat qui nous fait. Subhanallah. Et comme dans le hadith, il est mentionné que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre sur la maison, première petite chose avec quoi il débutait, il commençait, c'est pour servir siwak. Tout ça, ben, à hadith qui fin enseigne nous concernant siwak, qui l'objectif de ça, c'est l'hygiène orale. Moi, un musulman, get quantité l'emphase, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, din al-islam, il mettait le gars de la bouche propre. Ça veut dire, moi, un musulman, si mon prophète, il donne autant l'importance à l'hygiène orale, ben moi, quand il a l'importance, j'ai besoin de donner ça à l'os. De là, on comprend. Qu'il soit un monsieur ou une madame qui n'a iman, il y a une obligation, au moins, afin que mon la bouche reste propre, pas sentipi, pas gain le dire. La bouche, c'est une petite chose qui m'a pas servi occasionnellement. Non, non, non. Les livres de l'hiver m'ont servi. Comme ça même, et haram, quand on n'a pas fait hajj ou bien rompre qui m'ont servi. Mais mon labousse, tous les jours, chaque instant de la vie m'ont servi. La maison que de la famille et que mon voisin, comme on l'a dit, de l'école, de travail, de masjid, pour tout nous servir ça. Avec combien de monde qui me causait tous les jours? Je ne pas capable de compter moi-même, tellement lis beaucoup. Même par téléphone, quand de monde me causait, je me servis la bouche. Quand une personne sur la bouche pas gagne le dire, du monde pas fait remarque, pas n'a aucun commentaire. Mais si un monde sur la bouche reste gagne le dire fréquemment, nous trouvons du monde qui commence à gagner un dégoût. Aïe, ça, il veut une cause sur la bouche senti. Ou bien quand il y a l'école, quand il peut causer son enfant avec son camarade, il a une mauvaise haleine. Qu'il soit sur un professeur ou bien sur un camarade pour avoir un dégoût avec lui. En d'autres mots, ça c'est une petite chose qui tigite ou quelque part lui ferme la porte à une personne. Fait qu'on m'a dit, le matin, quand je vais faire salat ou le fajr, je n'ai pas le droit de faire le masjid, mais la bouche peut sentir. Ça dit que les gens à côté de ma droite ou de mon gauche là, je peux faire lui. Dito, à travers quoi? À travers mauvaise haleine qui m'a. Comment descendre au lit, il n'y a que faire aux une gargarise un tigit, pas de moi la peine pour brosser mon dents, lave-moi la langue propre. Mais pas faire moi comprendre qu'il m'a débout, m'a pas cause avec le vrai créateur divin. Comment il descend, comment nous dire, double dap ou aux une gargarise d'un amant, m'a consommé, m'a conligé ça, la bouche peut rien le dire. Comme ça, nous allons débout devant Allah. Ça, c'est l'image, c'est personnalité, un musulman pour y aller débout devant son rab. Si ça même l'air, moi tiens un rendez-vous avec un ministre ou bien un haut gradé, moi tu parles comme ça même, mais qui fait juste avec Allah. Chaque fois qu'il m'a fait salat, moi pas capable d'aller avec la bouche pour le dire.
Allô, un musulman, il passe pour son lat, il passe au prix au jour, il passe comme au pigot rentre dans la case ou bien sorti de la case, à chaque instant, nous la bousse bizarre et propre. Oui, et n'a pas d'exception. Une personne qui a une zaf, qui n'est pas capable de brosser ou bien rasse les dents, une autre chose. Ou bien une personne qui est rosa, sur la bouche qui a une dent, une autre chose. Ça aussi, les prophètes ont déjà fini de causer l'eau là. Mais seulement, après Maghreb, si vous avez une rosa, après Echam, vous avez une rosa, ça coûte quand même avec moi, la bouche sentie, là, il n'est pas correct. Parce que nous, prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui est propre. Il y a une personne qui est une légende de lui. Alors moi aussi, mon bisé imite mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire, essayer de faire maximum comme on dit. Nous bisé venir un dimanche qui propre. Nous capables d'être un couple, puis après ce prochain, nous trouver madame là sur la bouche, payer le dé comme ce monsieur, puis après lui, je n'aime pas avoir des goûts avec lui. Ou bien monsieur là sur la bouche, payer le dé quand il après avec ce madame, sur un titi. Alors que la bouche est finie, commencement même, je ne finis pas un dégoût. C'est une action qui nous veille. La case, je mange un carré poisson, je ne mange pas poisson salé, ou bien je mange la sauce là et de girifri et de mine. Comment je suis déo, personne ne peut pas connaître qui je mange. Je suis fini de laver la bouche, nettoyer la bouche propre. C'est ça que l'islam fin enseigne nous, la propreté. À chaque instant, qui nous fait, nous garde, nous la bouche propre. Pas à cause qui, mon père a besoin de mon père, de là qui me la bouche bien propre. Pas à cause qui, mon père a besoin d'un haut gradé, de là qui me connaît, mon besoin d'un hygiène. Non, tous les jours, chaque instant, un musulman, mes chers frères, mes chers sœurs en islam, il a besoin d'une personne qui est propre. Wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin.